Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Use me as your man servant. Utilise-moi comme ton nom. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sit on your enemy. Asseyez-vous sur vos ennemis. If I were you, si j'étais vous, I was going to jump high. J'allais vraiment sauter plus haut. Hallelujah. Hallelujah. Do we love Jesus? Vous aimez Jésus? Just love Jesus right now. God bless you, even those that are connected online. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés en ligne. God is going to do us a lot of good today morning. Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. And I promise you that surely where God wants you to be, et je vous promets sûrement là où Dieu veut vous voir être, there is no way for you to leave that place the same way you came in. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez sortir de cet endroit de la même façon que vous y êtes venu. Because where God desires to meet you, parce que quand Dieu veut vous rencontrer, where he desires you to meet you, là où il veut vous rencontrer, that is the place for your starting point. C'est votre point de départ. And as you find yourself in this place, et comme vous vous retrouvez en cet endroit, God is going to start something great with you. Dieu va faire quelque chose plus grand avec vous. Thank you, Jesus. Amen. Merci, Jésus. Amen. I like the anointing so that the anointing can flow. J'aime l'onction pour que l'onction puisse se déverser. Now, I told you that I'm going to explain to you the ability of the revelation of the flesh. Je vous avais dit que je vais vous parler de la capacité de la révélation de la chair. Why the revelation of the flesh? Pourquoi la révélation de la chair? Because when it comes to the operation of taking possessions, parce que quand on en arrive à l'opération de prendre position, we are talking about things that it is material. Nous parlons des choses qui sont matérielles. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? We are taking possessions. Nous sommes en train de prendre possession. The Bible says God called the nations. La Bible dit Dieu appelle une nation. But before him to call a nation, mais avant qu'il appelle une nation, he called a man. Il appelle un homme. And inside of the man, et dans cet homme, there was a nation inside. Il y avait une nation dans cet homme. So in another word, en d'autres termes, every man that God has called, tout homme que Dieu a appelé, there is a nation in that man. Il y a une nation dans cet homme. The Bible said that there was two children in the womb of Rebecca. La Bible dit il y avait deux enfants dans les seins de Rebecca. And they were fighting in the womb. Et ils étaient en train de se battre dans les seins. Until the day that Rebecca went to consult the Lord. Jusque le jour où Rebecca est partie consulter Dieu. Then they told her. Et puis on lui a dit. Yes, there is two children in your womb. Oui, il y a deux enfants dans ton but sein. But we can't see two children. Mais on ne peut pas voir deux but enfants. But we can see two nations in your womb. Mais nous pouvons voir deux nations dans ton dans les so seins. So in another word, inside of you. En d'autres termes, en vous, there is a nation that God desires you to take possessions. Il y a une nation en vous que Dieu veut que vous puissiez prendre possession. And I speak under the authority of the Holy Ghost. Et je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. That any nation that you are carrying, que toute nation que vous portez, you shall take possession vous of it. Allez prendre possession. Your amen is contradicting the message. Votre amen contredit le message. Any nation that you are carrying in within you, toute nation que vous portez en vous, God shall bring it into manifestations. Dieu va l'amener à la manifestation. And the Bible says, before the nation to come out of you, et Dieu dit, avant que la nation puisse sortir de vous, there has to be some battle. Il doit y avoir des batailles, des combats. You are sensing that you carry something. Des combats qui montrent que vous portez quelque chose. Because your battle determines what you carry. Parce que vos combats déterminent ce que vous portez. The greater the battle, the greater the things you carry. Plus la bataille est grande, plus ce que vous portez est grand. That's why you are wondering why your life is full of battles. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi votre vie est pleine de combats. It is not because of you. Ce n'est pas à cause de vous. But it's because of what you are carrying within you. C'est à cause de ce que vous portez. Am I speaking to someone here? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Listen, there was a man called Joseph. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. He was wondering why my brothers are fighting me. Il se demandait pourquoi mes frères me combattent. Why my brothers are complotting against me. Pourquoi mes frères complotent contre moi. Why my brothers are going behind my back in order to kill me. Pourquoi mes frères se liguent pour me tuer. But he did not know that's the dream that he was carrying. Mais il ne savait pas que les rêves qu'il portait. It was to save a total big nation. C'était pour sauver toute une grande nation. Israel.
Israël. Sometimes the battle that you are pushed to fight. Parfois les combats auxquels vous êtes poussé à combattre. It is not because of you only. Ce n'est pas à cause de vous-même. But it's because of the people that you are carrying in your back. C'est à cause des gens que vous portez derrière vous. Ah. There are some battles that you are encountering. Il y a certains combats que vous avez. It may be because of a child that you are carrying. C'est peut-être à cause de l'enfant que vous avez. It may be because of the future that you are carrying. C'est peut-être à cause du futur que vous avez. It may be because of the things that you are going to see in 2 years from now. Ah, c'est peut-être à cause des choses que vous allez voir dans 2 ans à partir but de maintenant. But the devil can see it. Mais le diable peut voir ça. But you can't see it. Mais toi, tu ne peux pas voir but ça. But your spirit can see it. Mais ton esprit peut voir ça. And that's why you are sensing like there is something in me. C'est pourquoi tu sens qu'il y a quelque chose en moi. And it has to come out. Et ça doit sortir. But I don't know how it can come mais out. Mais je ne sais pas comment ça peut sortir. Today. Aujourd'hui, it shall come out. Ça va sortir. Ah, come on, dis avec moi, amen. Amen. Today, aujourd'hui, it shall come out. Ça va sortir. That great nation can be just singing. Cette grande nation ne peut juste pas périr comme ça. No, it can be singing. Ah, ça peut chanter. That great nation, cette grande nation, can be simply just making the hair. Peut-être en train de faire les cheveux. That great nation, cette grande nation, can simply just maybe doing a show on TV. Peut-être en train de faire un show à la télé. That things that you do. Ce que vous portez. That potential. Ce potentiel. Is what is going to propulse you to nations. C'est ce qui va te propulser aux nations. It is what is going to set you on high. C'est ce qui va te mettre au-dessus. And position you above the mountains. Et te mettre au-dessus des montagnes. When you realize the gift that God has placed inside of you. Quand tu réalises les dons que Dieu a mis en toi. The Bible said the gift of a man opens him gates and doors to kings. La Bible dit que les dons d'une personne lui ouvre des portes vers les royaumes. So that means the gift that God has placed inside of you. C'est-à-dire que les dons que Dieu a mis en toi. Open you. T'ouvre. Gives you ça te donne access to greatness. Accès à la grandeur. That gift, c'est don. It is the nation. C'est une nation. That gift, c'est don. Is the people. C'est des gens. That gift, c'est don. Is the kings. C'est les enfants. Presidents. Les présidents. Kings. Les rois. Presidents. Les présidents. Prince. Les princes. That you are supposed to encounter. Que tu dois rencontrer. Through the gift that God has placed inside of you. Au travers du don que Dieu a mis en toi. And the moment. Et les moments. That gift opens up. Que ces dons s'ouvrent. Just get ready for greatness is coming your way. Prépare-toi à la grandeur qui va t'arriver. And the Bible said that through a prophet. Et la Bible dit à travers un prophète. Israel was open. Israël a été ouvert. Today. Aujourd'hui. That gift shall be open. Ces dons va s'ouvrir. Say with me, my gift shall be open. Dites avec moi que mon don va s'ouvrir. Shout it again, my gift shall be open. Dites-le encore, mon don va s'ouvrir. Say it again, my gift shall be open. Dites-le encore, mon don va s'ouvrir. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now, can I start my message now? Est-ce que je peux mettre mon message maintenant? Can I start my message est-ce now? Est-ce que je peux commencer mon message? The Bible says, God said. La Bible dit que Dieu a dit. Is there anything too hard for me? Y a-t-il quelque chose de plus grand que moi? I am the God of all flesh. Je suis le Dieu de toute chair. I am the God of all flesh. Je suis le Dieu de toute chair. Listen to me very well. Écoutez-moi attentivement. Please, follow me very well. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Because if you catch this message, parce que si vous saisissez ce message, the money that the prophet spoke, l'argent dont le prophète a parlé, it shall follow you. Ça va vous suivre. The blessing shall follow you. Les bénédictions vont vous suivre. Good health shall follow you. La bonne santé va vous suivre. When you understand the revelation of flesh, quand vous comprenez la révélation de la chair, the Bible says God presented himself. La Bible dit Dieu s'est présenté lui-même. And he said to himself. Et il s'est I dit à introduce lui-même, myself to you, Jeremiah. Je me présente à toi, Jérémie. I am the God. Je suis le Dieu. Of all flesh. De toute chair. Is there? Y a-t-il? Anything? Quelque chose? Too hard. Difficile. For me. Pour moi. To do. À faire. To do. À faire. Number one. Numéro un. God introduced himself as the God of all flesh. Dieu se présente comme le Dieu de toute chair. But in the other place, mais dans d'autres endroits, God introduces himself as the Father of all spirit. Dieu se présente comme le Père de tous les esprits. Are we together? On est ensemble. Introduce himself as the Father of all spirit. Il se présente comme le Père de tous les esprits. On this side, et à l'autre côté, he's introducing himself as the God of all flesh. Il se présente comme le Père de toute chair. Father, Père, comes from a word Abba. Vient du mot Abba. Abba. Abba means source. Ça signifie la source. So in another word, en d'autres termes, is the source of all spirit. Il est la source de tous les esprits. God, Dieu, means signifie a being.
A bean. What is the bean? Une personne. Ah, okay, une personne. A bean. Une personne. That is superior. Qui est au-dessus. Above the universe. Au-dessus de l'univers. Are we together? On est ensemble. A father, un père, is a source. C'est une source. To all spirits. De tous les esprits. A God, et un Dieu, is a being. C'est une personne that is above, qui est au-dessus, all universe. De tout l'univers. So a superior entity. Donc un être supérieur. Uh-huh. Who is above all universe. Qui est au-dessus de tout l'univers. That's why they are mentioned gods. C'est pourquoi on mentionne Dieu. Gods, les dieux. Les dieux, oui. In the heavens. Dans les cieux. In the second heavens. Dans le deuxième ciel. In the skies. Dans les cieux. Where the dimensions of God. Dans les dimensions de Dieu. Dwells in the realms of universe. Ah, c'est situé dans la dimension des cieux. Ah, repeat that one. Okay. Uh-huh. The dimension of God. La dimension de Dieu. Dwells. Réside. In the dimensions. Dans la dimension. Of universe. De l'univers. But the dimension of the Father. Mais la dimension du Père. Dwells. Réside in the dimension of the spiritual realm. Dans la dimension spirituelle. Did you understand that? Est-ce que vous avez compris the ça? Dimension of God. La dimension de Dieu. Manifest. Se manifeste. In the realm of flesh. Dans la dimension de la chair. Universe. L'univers. But the dimension of the Father. Mais la dimension du Père. Manifest. Se manifeste. In the realm of the Spirit. Dans la dimension de l'esprit. So in another word, en d'autres termes, your spirit, votre esprit, knows God, connaît Dieu, not as God, comme, pas comme Dieu, but as Father, mais comme un père. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? But your flesh, mais ta chair, and your soul, et ton âme, knows God, connaît Dieu, not as a Father, pas comme un père, but as a God, mais comme un Dieu. On est ensemble? Touche ton prochain. C'est on est ensemble? On est ensemble? Now, maintenant, can I start now? Est-ce que je peux commencer? So is the Bible, when the Bible say, et quand la Bible dit, can I come near you? Est-ce que je peux venir proche de vous? Can I come near you? Est-ce que je peux m'approcher? Kasarema, can I come near you? Est-ce que je peux m'approcher? Hallelujah. Now when the Bible said that is the God of all flesh, quand la Bible dit que c'est un Dieu de toute chair, flesh, la chair, has to do with anything to do with material. A à faire avec tout ce qui est matériel. So that means your clothes, c'est-à-dire vos habits, is flesh. C'est la chair. This Bible, cette Bible, is flesh. C'est la chair. Your shoes, vos chaussures, is flesh. C'est la chair. Your hair, tes cheveux, is flesh. C'est la chair. Your makeup, vos maquillages, is flesh. C'est la chair. Your marriage, votre mariage, is flesh. C'est la chair. Your car, votre voiture, is flesh. C'est la chair. Your destiny, votre destinée, is flesh. C'est la chair. This guitar. Cette guitare is flesh. C'est la chair. The chair where you are. Les chaises sur lesquelles vous êtes is flesh. C'est la chair. The nation where you are. La nation à laquelle France vous êtes. La France. Is flesh. C'est la chair. The football is coming. Le football qui arrive. Is flesh. C'est la chair. The people who are playing. Les gens qui jouent. They are flesh. C'est la chair. So in another word, en d'autres termes, for God to visit you. Pour que Dieu puisse vous visiter. In the universe. Dans l'univers. You must have a flesh. Vous devez avoir une chair. Ah, yeah, yeah. I think my brother is the one listening to me. Il est la seule personne qui a compris ça. Ah, and someone hearing me, someone est-ce here. Que quelqu'un d'autre a compris ça? So in another word, en d'autres termes, for God to bless you, pour que Dieu vous bénisse, in the realm of the universe, dans la dimension de l'univers, you must know him, vous devez le connaître, in the dimension of God, dans la dimension de Dieu, not in the dimension of a father, pas dans la dimension du père. Okay? Now for you, alors, pour to vous, prosper in the dimension of the universe, pour vous, pour que vous puissiez prospérer dans la dimension de l'univers, you must know God as a God in your life. Vous devez connaître Dieu comme un Dieu dans votre vie. But for you to prosper in the spiritual realm, mais pour que vous puissiez prospérer dans la dimension spirituelle, you must know God. Vous devez connaître Dieu as a Father, comme un père. Are we getting me now? Est-ce qu'on est ensemble? Are you getting me now? Est-ce que vous m'avez? Are you getting me now? Est-ce que vous me comprenez? Are you getting me now? Now the dimension of knowing God in the universe, la dimension de connaître Dieu dans l'univers, spares you, vous dicte, spares you, vous place, vous épargne, oui, spares you, vous épargne, from sickness, de la maladie, spares you, vous épargne, from accidents, des accidents, spares you, vous épargne, from poverty, de la pauvreté, spares you, vous épargne, from lack, du manque, spares you, vous épargne, from divorce. Divorce. That's what the Bible say. C'est pourquoi la Bible dit, know your God. Connais ton Dieu, and you shall be established. Et tu seras établi. Where?
in the universe. Dans l'univers. So there's a dimension of knowing God. Ah, il y a une dimension de connaître that Dieu. That exposes you in the dimension of prosperity. Qui t'expose dans la dimension de la prospérité. The Bible says. La Bible dit. God revealed himself to Abraham. Dieu se révèle lui-même à Abraham. And Abraham called him Jehovah Jireh. Et Abraham l'a appelé Jehovah Jireh. So God et Dieu manifested himself to Abraham. S'est manifesté à Abraham. And Abraham et Abraham gave him a name. Lui a donné un nom. Based on the dimension of knowing God. Ah, basé sur la dimension de connaître Dieu. So in another word, in the universe, en d'autres termes, dans l'univers, the dimension that you know of God, la dimension à laquelle vous connaissez Dieu, gives you access to the dimension of prosperity. Vous donne accès à la dimension de la prospérité. The more you know God, plus vous connaissez Dieu, the more God brings the flesh to you. Plus Dieu amène une chair en vous, en vous, en vous. Yeah. The more you know God, plus vous connaissez Dieu, the more God brings the winds of the winds of the winds of the winds of the flesh. Plus Dieu amène plus de chair en vous. What do I mean? Pourquoi je dis ça? When I know more of God, quand je connais plus Dieu, God shall bring more of the reality, what we call of serious wealth. Dieu va amener la réalité qu'on appelle une richesse sérieuse, une Why? Vraie richesse. The more I know of Jehovah Jireh, plus je le connais en tant que Jehovah Jireh, the more God shall bring more riches. Plus Dieu amène plus de richesses. The more I know as God is my provider. Plus je connais que Dieu est mon pourvoyeur. The more I shall encounter God's prosperity upon my life. Plus je vais rencontrer la prospérité de Dieu dans ma vie. The problem is this. Le problème est celui-ci. When people enter in the place, quand les gens entrent à une place, they are only waiting for a father to manifest. Ils attendent juste que le Père se manifeste. Father. Père. Father. Père. The Father dwells in heaven. Le Père vit au ciel. Le Father. Le Père dwells in heaven. Il est au ciel. But God mais Dieu is manifested in the flesh. Se manifeste dans la chair. So in another word, en d'autres termes, when I say God manifests himself in the flesh, quand je dis que Dieu se manifeste dans la chair, so what I'm talking about, de quoi je parle, there are men and women, il y a des hommes et des they femmes, are not just human, qui ne sont pas que des but humains, they have entered the place where there is God in the flesh. Mais ils sont entrés à l'endroit où il y a Dieu dans la chair. And when you encounter such men, et quand vous rencontrez une telle personne, you have not just encountered a man, vous n'avez pas seulement rencontré un homme, but you encounter the God that is bringing prosperity in your life. Mais vous avez rencontré le Dieu qui amène la prospérité dans votre vie. Can I speak to somebody here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? As you meet and you encounter the prophetic today, quand vous rencontrez les prophétiques aujourd'hui, as you meet the prophetic today, quand vous rencontrez les prophétiques aujourd'hui, I decree and declare, je décrète et je déclare, as you lift your right hands, quand vous levez votre main droite, that you shall encounter your divine prosperity, que vous allez rencontrer votre prospérité divine. You are encountering your divine prosperity. Vous allez rencontrer votre prospérité divine. When you encounter a man, quand vous rencontrez un certain homme, with God in them, avec Dieu en eux, just know that you have reached your place of possessions. Sachez que vous avez atteint votre endroit de possession. Shout with me, possessions. Dites avec moi, possession. Dites avec moi encore, possession. Dites encore avec moi, possession. Dites avec moi, possession. So when you encounter some men with God in them, quand vous rencontrez certains hommes qui ont Dieu en eux, there is a manifestation of God's grace to take you to your place of prosperity. Ah, il y a la manifestation de la grâce de Dieu pour vous amener à votre lieu de prospérité. That's what there was a man called Paul. C'est pourquoi il y avait un homme appelé Paul. The Bible says Paul. La Bible dit que Paul. He said, "I long to meet you." Il disait que je cherchais à te rencontrer. So that I may impact to you. Pour que je puisse t'impacter. Some spiritual grace. Certaines spiritual. That I may impact you some spiritual grace. Pour que je donne de spiritual grace. Le grâce spirituelle. Grâce spirituelle, I'm sorry. So that I may impact to you spiritual grace. Pour que je donne de grâce spirituelle. Why? Pourquoi? There are some rencontres. Yeah. Il y a certaines rencontres. There are some meetings. Il y a certaines rencontres. That when we gather like this. Quand comme nous nous sommes rassemblés. There is a dimension of God that is coming from the prophets. Il y a une dimension de Dieu qui vient à partir du prophète. There is a dimension of God that is coming from the preacher. Il y a une dimension de Dieu qui vient du prédicateur. Now that is coming to meet your needs in the flesh. Qui va rencontrer votre besoin dans la chair. Why? Pourquoi? Because God has manifested through a flesh. Parce que Dieu s'est manifesté à travers une chair. And that flesh et cette chair is a man of God. C'est l'homme de Dieu. That's why Jesus said, c'est pourquoi Jésus a dit, as my Father sent me, que comme mon Père m'a envoyé, I have sent you. Je vous envoie. Those who shall receive you, ceux qui vont vous recevoir, they shall receive your recompense. Ils vont recevoir votre récompense. Now that recompense, cette récompense, is the God in a man. C'est Dieu dans l'homme. Why?
Pourquoi? That's why I am sure today that any problem in your body shall quit. C'est pourquoi je suis très sûr que tout problème dans votre corps va quitter. That's why I'm sure every problem in your family shall go. C'est pourquoi je suis très sûr que tout problème dans votre famille partira. Why? Pourquoi? Because the God of all flesh is present. Parce que le Dieu de toute chair est ici. Any problem in your finances? Tout problème dans vos finances. Any problem in your marriage? Tout problème dans votre mariage. Shall depart today. Partira aujourd'hui. Today, I said today. Aujourd'hui, j'ai not tomorrow, I said today. Pas demain, mais aujourd'hui. I said now. Maintenant. Why? Because of the revelation of the God of flesh. Pourquoi? À cause de la révélation de Dieu dans la chair. That's why when you came sick here, c'est pourquoi quand vous êtes venu malade ici, your back is hacking. Votre dos fait mal. And you just come in this atmosphere. Et vous êtes venu que dans cette atmosphère. And then suddenly the man of God come and lay hands on you. Et soudainement l'homme de Dieu met sa main sur vous. And then suddenly the flesh return normal. Et puis la chair redevient normale. And you wonder how. Et vous demandez pourquoi. There is a dimension of the flesh of God. Il y a la dimension, la chair de Dieu. That has entered into your flesh. Qui est entré dans votre chair. And that is manifesting the healing. Et c'est ça qui manifeste la guérison. I decree and declare healing. Je déclare et je décrète. La guérison. Receive it in the name of Jesus. Recevez la guérison. Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Come on, shake your neighbor. Say neighbor. Dites à votre voisin, voisin. Come on, shake your neighbor. Say neighbor. Dites à votre voisin, voisin. Say neighbor. Voisin. Say neighbor. Voisin. Say neighbor. Voisin. The God of all flesh. Le Dieu de toute chair. Is visiting you today. Il va te visiter aujourd'hui. Say neighbor, dites à vos voisins, neighbor, voisin, the God of all flesh, le Dieu de toute chair, is visiting you today. Va te visiter aujourd'hui. So today, aujourd'hui, the God of all flesh, le Dieu de toute chair, that shall bring your car. Il va amener ta voiture. The God of all flesh, le Dieu de toute chair, shall bring your house. Il va amener ta maison. The God of all flesh, le Dieu de toute chair, shall bring your wedding. Il va amener ton mariage. The God of all flesh, le Dieu de toute chair, shall bring your upliftment. Il va amener ton soutien. As someone is hearing me. Amen. Shout, I receive it. Dites, je reçois. Say it again, I receive it. Dites, je reçois. Say it again, I receive it. Dites encore, je reçois. Listen to me. Écoutez-moi. The power of the resurrection of the dead. La puissance de la résurrection des morts. It depends on the God of all flesh. Dépend du Dieu de toute chair. My goodness. Oh mon Dieu. Tell your neighbor it's hot. Dites à votre voisin, c'est chaud. Tell your neighbor it is hot. Dites à votre voisin, c'est chaud. If you are feeling cold, si vous avez froid, there's a problem. Il y a un problème. Tell your neighbor it is hot. Dites à votre voisin, c'est chaud. The word of God is making me hot. La parole de Dieu me fait chaud. Hallelujah. 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 Kazarem, I brought to you the God of all flesh. Kazarem, je vous ai amené le Dieu de toute chair. The God of all flesh. Le Dieu de toute chair. The flesh of your destiny. Le Dieu de votre destinée. The flesh of your blessing. La chair de votre bénédiction. The flesh of your favor. La chair de votre faveur. It is coming today. Est en train d'arriver aujourd'hui. And it is coming now. C'est arrivé maintenant. Marato sekehadi. Mosobre ete koskaba. Pir koskaprundi viata. Sudibi antabala. Are you aware that you have been passing your house continually? Êtes-vous au courant que vous étiez en train de passer votre maison continuellement? And you didn't know that this is your house. Et vous ne saviez pas que c'est ça votre maison. Are you aware that you have been passing your husband like this? Êtes-vous au courant que vous passiez votre mari comme ça sans we le savoir? We don't know this one is the man he's supposed to marry you. Sans savoir que cet homme devrait vous épouser. Can I prophesy on someone est-ce here? Que je peux prophétiser sur quelqu'un? Your eyes shall be open. Your eyes, vos yeux, shall be open today. Seront ouverts aujourd'hui. To see your helpers. Pour voir votre. Listen to me. Écoutez-moi. Can I touch on something quickly? Est-ce que je peux toucher quelque chose rapidement? Do like this. Say money. Faites comme ça. Dites argent. Say money. Argent. Money is coming. L'argent arrive. Say money is coming. L'argent arrive. Say money is coming. L'argent arrive. Say money is coming. L'argent arrive. The prophet just said it. Le prophète l'a dit. That you can't do ministry without money. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans argent. That's why God has to bless you so that the church may prosper. C'est pourquoi Dieu doit vous bénir pour que l'église soit bénie. I don't like your amen. Come on, someone say a big amen. Listen to me. Next year by this time,
Écoutez-moi, l'année prochaine, en ce temps-ci, you shall have a testimony. Vous allez avoir un témoignage. You shall be a blessing to the church. Vous allez être une bénédiction pour cette église. You shall be a blessing for the next conference. Vous allez être une bénédiction pour la conférence. The Bercy that is coming, Bercy. Je vois ça en train d'arriver. The Bercy, Bercy. Ah, le Bercy qui arrive. You shall be a blessing. Vous allez être une bénédiction. Money shall be in your hands. L'argent doit être dans vos mains. So that the church may prosper. Pour que l'église puisse prospérer. Hey, have you seen the drummer that is playing the drum is a millionaire? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui joue à la batterie être un millionnaire? Wait for it, it's coming. Vous allez voir, ça va arriver. Have you seen the people that are singing in the choir being millionaires? Avez-vous déjà vu les gens à la chorale être des millionnaires? It is coming. Ça arrive. Why? The latter church. Pourquoi? Parce que la what did you say? The latter church. Ah, l'ancienne église. The end church. The end time church. I don't get that. L'église de la fin. Yeah, okay. Ah, hallelujah. And you clap for Jesus. On peut acclamer pour le Seigneur. The end time church. Ah, l'église de la fin. God has made sure that to prosper all his people. Ah, Dieu s'est rassuré qu'il fasse prospérer tous ces gens. Why? Because we have a mandate to cover nations, Asia, Africa, Europe, America. Parce que nous avons la mission de remplir les nations, Asie, Afrique, Europe, partout. I was thinking, prophet, please tell me. Dites au prophète. 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 I was thinking. Je pensais. I don't know. Is there anyone in the francophone? Y a-t-il quelqu'un dans la francophonie? As a preacher who owns a private jet? Comme un pasteur qui a un jet privé. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Did you hear that? Est-ce que vous entendez ça? Did you hear that? It's showing you there is something wrong in the francophone. Ça vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la francophonie. That's why God sent me today. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé aujourd'hui. The English where we are. Dans le monde anglophone où nous sommes. Private jets are nothing now. Les jets privés c'est rien aujourd'hui. Business class is nothing. Les business class c'est rien aujourd'hui. Why? Pourquoi? We have understood the realm of God of all flesh. Nous avons compris la dimension de Dieu de toute chair. Now the problem is this. Mais le problème est celui-ci. Can I tell you why the francophone is struggling? Puis-je vous dire pourquoi la francophonie lutte? Can I? Est-ce que je peux? Can I? Est-ce que je peux? This is the reason. Voilà la raison. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 1. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1. 4 verset 1. Yeah, that the spirit of the Antichrist. Que l'esprit de l'antichrist is already in the world. Est déjà dans le monde. And anyone. Et quiconque. That does not believe. Ne croit pas. That Jesus Christ. Que Jésus-Christ. Came in flesh. Est venu dans la chair. Is not of God. N'est pas de Dieu. I know you have heard a lot of preaching about that. Je sais que vous avez entendu plusieurs prédications à ce sujet. But it doesn't tell the truth as I'm telling you today. Mais ça ne dit pas la vérité comme je vais vous le dire aujourd'hui. The spirit of the Antichrist. L'esprit de l'antichrist. Is the spirit that against the flesh. C'est l'esprit qui est contre la chair. Amen. The spirit of Antichrist. L'esprit de l'antichrist. Wants you. Veut que. To believe God. De croire en Dieu. Only in the spiritual realm. De croire en Dieu que dans le spirituel. Never that God to become flesh to you. Et non pas que ce Dieu devienne chair en vous, avec vous. So in another word, en d'autres termes, when the preacher comes say that you are blessed, quand le prédicateur dit que vous êtes béni, that blessing should always remain in the spiritual realm. Ah, cette bénédiction ne doit rester que dans le spirituel. But when it began to materialize in your body, mais quand ça doit se matérialiser dans votre corps, you see people begin to arise to say that you've touched juju. Ah, vous voyez les gens commencer à dire vous avez touché au fétiche. I bind that spirit in the name of Jesus. Ah, j'arrête cet esprit in the name of Jesus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Why? That spirit in Europe is big. Pourquoi? Parce que cet esprit en Europe est trop grand. People don't want others to prosper. Les gens ne veulent plus que les autres puissent prospérer. Everyone is against it, everyone is doing it well. Ah, tout le monde est contre quand quelqu'un évolue. When the prophet buy a nice sign, everything people are speaking against. Quand le prophète achète une Nissan, les gens parlent mal de lui. If a prophet come and testify, God has blessed me with a car.
Quand le prophète vient témoigner, Dieu m'a béni avec une voiture. It is all over. Hey, Lucy, money of the church, money of the church. Vous allez voir partout, on dit non, il fait l'église pour l'argent, l'église pour l'argent. I'm talking. Je dis, je parle. Je parle. I am talking. Je suis en train de vous parler. I am talking. Je parle. Now, yes, in the English world, mais nous, dans le monde anglophone, we are past that understanding. On a passé cette compréhension. Why? Pourquoi? As long as the man of God is prospering, aussi longtemps que l'homme de Dieu prospère, we prosper. Nous prospérons aussi. Can I decree and declare? Est-ce qu'on peut acclamer? That prosperity shall be your portion. La prospérité sera pour vous. Prosperity shall be your portion. La prospérité sera pour vous. I have come here to announce that the private jet shall also enter the francophone. Je suis ici venu vous dire que les jets privés vont aussi entrer dans le monde francophone. How good is that if Prophet Blaise is inviting me in France, I come in private jet? Comment ça serait si le prophète Blaise m'invite et je viens ici avec une jet privée? Why? Pourquoi? Mama. The spirit of Antichrist. L'esprit de l'Antichrist. Want you to say that God is my God. Veux que vous puissiez dire Dieu est mon Dieu. But that God. Mais ce Dieu là. Never to manifest in the flesh. Ne puisse se manifester dans la chair. Ne puisse point. Ne puisse point se manifester. Ne se manifeste so point dans la chair. So if you talk about your marriage. Si on parle de votre mariage. Let your marriage just stay in the spiritual. Ah, que ton mariage soit seulement spirituel. Marie de nuit. We intercept it. On intercepte cela. Why? Pourquoi? I can see a car coming to you. Je peux voir une voiture venir chez vous. But now the Antichrist spirit. Mais l'esprit antichrist comes against the manifestation of the flesh of that car. Vient contre la manifestation de cette voiture. Of the flesh of the car. De la chair de cette voiture. The Antichrist. L'antichrist. Antichrist. Antichrist. The word Christ. Le mot Christ is the anointed one. Signifie le oint. And you cannot anoint. Et vous ne pouvez pas oindre. Unless the person has flesh. À moins que la personne puisse avoir une chair. That's why Jesus could not be called the Christ. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas être appelé Christ. Until there is a body that God could have given him. Jusqu'à ce que Dieu donne une chair, un corps. Then he was called a Christ. C'est à ce moment-là qu'il était appelé. Because the anointing came on him. Parce que l'onction est venue sur lui. And made him to be able to prosper. Et a fait qu'il puisse prospérer. So your flesh. C'est-à-dire votre chair, that votre you corps. Said to yourself, that you said to yourself. Votre chair que vous avez vous-même. That you said to yourself. Que vous avez dit vous-même. That this body. Que ce corps. Is what makes me fall. C'est ce qui me fait tomber. Is what makes me lie. C'est ce qui me fait mentir. Is what makes me fornicate. C'est ce qui me fait la fornication. Is what makes me drink. C'est ce qui me fait l'alcoolisme. This flesh. Cette chair, ce corps. God needs it because it can't do anything unless you have a flesh. Dieu a besoin de ton corps parce qu'il ne peut rien faire sans qu'il ait ton corps. The realm of grace. La dimension de la grâce. It depends on the flesh. Dépend de ton corps, de la chair. The realm of the anointing. La dimension de l'onction. It depends on your flesh. Dépend de ta chair. So the better you keep your flesh. Le mieux vous gardez votre chair. The better the anointing upon your life. Le mieux l'onction entre dans votre vie. Amen. The more you guard your flesh. Le mieux vous protégez votre corps. The more God shall use you. Le mieux Dieu va vous utiliser. That's why. C'est pourquoi. I am not for you working 18 hours a day. Je ne vous conseille pas de what? I am not for. Je ne suis pas d'accord. You to work for 14 hours a day. Pour que vous puissiez travailler plusieurs heures par jour. Whereby, when you work too much. Parce que quand vous travaillez beaucoup. And you gain less. Et vous gagnez peu. It is the working of Satan in order to vanish all your strength. C'est l'œuvre du diable pour vous maintenir assujetti. But the moment you understand the realm. Mais quand vous comprenez la dimension. Of the God of all flesh. Du Dieu de toute chair. You work less. Vous travaillez peu. And you gain more. Et vous gagnez beaucoup. Europe. 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 France. France. When we understand this God. Quand vous comprenez ce Dieu. Need your flesh. Qu'il a besoin de votre corps. He needs the perfection of your flesh. Ça demande la perfection de votre corps. He needs the perfection of your flesh. Il a besoin de la perfection de votre corps. He needs the purity of your flesh. Il a besoin de la pureté de votre corps. He needs the purity of your flesh. Il a besoin de la pureté de votre corps. When I was praying today before I came. Quand j'ai prié aujourd'hui avant de venir. The Lord said to me, Joe, speak.
Dieu m'a dit, Joël, parle. Because there is a lot of enmity among pastors in Europe. Parce qu'il y a plusieurs inimitiés parmi les pasteurs en Europe. Pastors are fighting pastors. Les pasteurs se battent entre eux. Pastors are fighting these pastors. Un pasteur combat un tel pasteur. And the Lord said to me, this is what is stopping my manifestations. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce qui empêche la manifestation. But the time has come. Mais le temps est venu. For you not to realize. Pour que vous puissiez réaliser. It is not about this one or about that one. Ce n'est pas à cause de celui-ci ou celui-là. But it is about what God is saying in the now. Mais c'est à cause de ce que Dieu a dit maintenant. And I declare what God is saying right now. Et je déclare ce que Dieu dit maintenant. Walk in the love. Marchez dans l'amour. And walk in the dimension of the revelation of the flesh. Et marchez dans la révélation de la chair. That God wants you prosperous. Que Dieu veut que vous puissiez prospérer. Because the Bible says he found pleasure. Parce que la Bible dit il trouve le plaisir. In the prosperity of his servants. Dans la prospérité de ses serviteurs. So God is happy. Dieu est content. When he can see you prosperous. Quand il vous voit prospérer. God is happy. Dieu est content. When he can see what the prophet prophesied about you. Quand il peut voir ce que le prophète a prophétisé sur vous. Coming to pass in the flesh. Aboutir à la chair. Then God is happy. Là, Dieu est content. But when the things that the prophet spoke about you. Mais quand ce que le prophète a dit sur vous. It is not coming to pass. N'arrive pas. God is not happy. Dieu n'est pas content. That God wants you not to have the flesh of the reality of every prophetic word. Dieu veut que vous puissiez avoir la chair de toute la réalité prophétique. If God said. Si Dieu a dit. Tomorrow. Demain. At this time. À ce moment-ci. You shall meet the president of this country. Vous allez rencontrer le président de ce pays. It shall be fulfilled. Ça va se manifester. If God said, si Dieu a dit, tomorrow, demain, in 2 days from now, 2 jours après aujourd'hui, you shall encounter somebody who is going to change your life. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. And then you see it in 2 days from now. Et vous allez le voir en 2 jours à partir de maintenant. That's not the manifestation of God's flesh. Ça, c'est la manifestation de Dieu de la chair. I see businesses opening here. Je vois des affaires s'ouvrir ici. Prophet, I think. I'll come again to explain this revelation properly. Prophète, je viendrai encore expliquer cette révélation. Because of time. Bien, à cause du temps. Because it is big. Parce que c'est grand. God wants this revelation to hit the Europe. Dieu veut que cette révélation puisse atteindre l'Europe. The francophones. La francophonie. To understand the realm of flesh. Pour comprendre la dimension de la chair. It will keep you in good health. Ça va vous mettre dans la bonne santé. Oh my God! Can I speak to someone here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? All blessing that was in the spiritual realm. Toutes les bénédictions qui étaient dans la dimension spirituelle. It is coming to flesh right now. Doit venir dans la chair maintenant. All your blessing that was in the spiritual realm. Toutes vos bénédictions qui étaient dans le spirituel. By the anointing upon the prophet. Par l'onction sur le prophète. By the anointing upon me. Par l'onction qui est sur moi. It shall bring it into flesh. Ça va l'amener dans la chair. Your destiny. Votre destinée. Your destiny. Votre destinée. Shall come to pass. Va s'accomplir. Your destiny. Votre destinée. Shall cover flesh. Va revêtir la chair. Your destiny. Votre destinée. Shall manifest in the glory of God. Va se manifester dans la gloire de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Are you ready for something here? Êtes-vous prêt pour quelque chose? Come on, are you ready for something? Êtes-vous prêt pour quelque chose? Are you ready for something? Êtes-vous prêt? Come on, let me hear you shout yes. Dites oui. Arise where you are. Arise where you are. Arise where you are. Arise where you are. Levez-vous, vous êtes. Marapalato sebereke. Flesh is coming up on your blessing. La chair va se revêtir vos bénédictions. Flesh is coming up on your blessing. La bénédiction va revêtir la chair. As I see you like this, I see a new season opening up on your life. Quand je vous vois, je vois une nouvelle saison dans votre vie. Amen. You. Vous. I see a new season come. J'ai dit une nouvelle saison venez. Amen. I see a new season being written. Je vois une nouvelle saison. In fact, I saw you in prayer. Look at me. Je vous ai vu en prière. You are praying. Vous êtes en train de prier. For God to show you a new way how you can start something new. Pour que Dieu vous montre une nouvelle façon de faire les choses, pour que vous commenciez des choses nouvelles. Something new to happen in your life. Quelque chose de nouvel dans votre vie. Because I saw in prayer you are fasting. I think it was all like almost like 3 days, like 3 days. Je vous ai vu en train de jeûner pour 3 jours, il y a 3 jours. And you are praying that God, I desire to see something new in my life. Et vous étiez en train de prier, dire Dieu, j'aimerais voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Why? Because I saw a call of God upon your life. Parce que j'ai vu un appel de Dieu sur votre vie. But I see that call being hindered. Mais j'ai vu cet appel être étouffé. By the circumstances that has been happening around you. Par les circonstances qui s'est passé autour de vous. Is it true? Est-ce vrai? Micro. Merci. The Spirit of God is here. Oh, I sense the power of God.
La puissance de Dieu est ici. Come on, let me hear you sound a big man. Thank you. Merci, prophète. Merci beaucoup, prophète. Yeah, comme ça. Yeah. Yes. But you see, il interprète aussi. Il fait comme ça, il fait comme ça. Ah, ok. Ah, ils ont pas acclamé pour le Seigneur. Okay. Papa, I see a pastoral call upon your life. Je vois un appel pastoral dans votre vie. But I see difficulty. Things came like to crumble things. Even in your own that you call own was scattered. Ah, mais je vois des difficultés. Même ce que vous appelez qui est pour vous, vous empêche d'émerger. Oh. Come on. Ah, Jésus est présent. Alléluia. Listen. That's what the Bible said. The prophetic office is the better prophet. C'est pourquoi la Bible dit que l'office du prophète est le grand office. Why? Because there is no way this man knows me. Parce qu'il y a aucun moyen que cet homme me connaisse. We didn't meet. On n'a jamais, on ne s'est jamais rencontré. I never know him. I don't know where he's coming from. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas il vient d'où. But I could see what is coming. Mais je peux voir ce qui va lui arriver. The Lord sent me here. Le Seigneur m'a envoyé ici. Any reclamation that is coming from the side of Congo. Toute réclamation qui vient du côté du Congo. That is reclaiming your life. Qui le réclame, qui réclame sa vie. In order for you not to prosper. Pour que tu ne puisses pas prospérer. It shall be intercepted. Il sera intercepté aujourd'hui. Can you stretch your hand towards him? Est-ce qu'on peut étendre nos mains sur lui? My time is up, but I'm going to do this faster, faster. Mon temps est presque fini, on va le faire rapidement. Are we together? We do it faster, faster. Est-ce qu'on est ensemble? On va le faire rapidement. Faster, faster, faster. On va le faire rapidement. Faster, faster, faster. Rapidement. Glory to God. Hallelujah. 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 In the name of Jesus, say in the name of Jesus. Dis ton nom de Jésus. Let the life of this man. Que la vie de cet homme be open. Soit ouverte. Be open. Soit ouverte. Be open. S'ouvre. Be open. S'ouvre. Be open. S'ouvre. Be open. S'ouvre. Come on, someone, pray with me now. Priez avec moi. Parakatorama. Sadia palatoseke. Periam palakusa. As you are praying for him, your life is opening. As you are praying for him, your life is opening. Comme vous priez pour lui, votre vie aussi s'ouvre. Shalabakata palabase. Rekatorama santa malabre. Beria, 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 beria. Zutama, bretebe, beke, beketo. Mebre, mebre, mebre. Mazupre, mazupre. Paruse prekata palapa. Shata palapa, palikosa. Beria pa, soto koto. Yato, soto, matekete. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. I decree and declare, may your life be open. Je décrète et déclare que ta vie s'ouvre. May your life be open. Que ta vie s'ouvre. May your life be open. Que ta vie s'ouvre. I will stand up. Levez-vous. Give me this hand. Donnez-moi cette main. This one. Yeah. L'autre. Oh, vous êtes gaucher. C'est pour cela que je demande la main gauche. Il a compris. Wow. God is in this place. Dieu est dans cet endroit. God is in this place. Dieu est ici. There is a restoration coming in your life. Il y a une restauration qui arrive. Man of God. Yes, sir. Il faut déjà poser la question. Tout ce que tu dis, qui confirme ce que tu viens de dire. Amen. Yes, papa. Vous pouvez. Oui. Amen. C'est ma première fois de venir dans cette église. Wow. J'ai connu le prophète Blaise en 2002 dans un CD qu'ils ont fait avec frère Mbuta. Je crois que le titre c'était Jésus, je t'aime. Jésus t'aime, voilà. Je l'ai connu dans les CD, j'ai vu sa photo. Pour la première fois en 2002, j'étais dans les débuts des années 2000. Moi, je suis venu en Europe le 15 novembre 2002. Après. Mais j'ai connu Jésus-Christ, il est Dieu, à l'âge de 11 ans. Wow. Mais je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 22 ans. Wow. Et quand il m'a parlé, il m'a dit,
C'était suite à un truc qui m'est arrivé. Je voulais, on nous a escroqué, on devait aller dans les prisons. Et Dieu m'a délivré à la dernière minute. Wow. À la base, je suis dans une famille chrétienne. Yeah, yeah. Mais mon appel, c'est différent. Et quand Dieu m'a sauvé dans cette histoire-là, dans les années en 92, et Dieu m'a dit, tu vois, toi, tu étais plus dans les mondes. Parce que ma vie était plus, j'étais déjà musicien païen, tout ça, tout ça. Mais j'étais quand même une conduite chrétienne quelque part. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, mais j'étais dans ces trucs-là. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu as failli aller aux prisons. Et si j'étais sauvé, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que tu vas dans cette église. Et dans l'église, là, tu ne seras pas infidèle. Tu vas entrer dans l'église en tant que choriste. Dans l'église, Nzambe Malam. Et excusez-moi pour que je donne un peu de témoignage. Et je suis entré dans les chorales Nzambe Malam en 92. Et en 93, on m'a consacré dirigeant. Donc, mes choses sont parties très vite. En 98, je suis dirigeant. Et en 93, là, en août, j'ai eu la maladie de surmenage. Waouh! Mon grand frère Boutet connaît un peu mon histoire. J'étais dirigeant, en chorale, et dirigeant une certaine dimanche. Dès mon ouvert le yeux, quand j'ai dirigé, j'ai vu des pasteurs sorciers. J'ai vu même des fidèles sorciers. Et la façon dont Dieu m'a montré, il me voyait, les gens qui avaient les lumières de Dieu, ils rayonnaient. Mais les sorciers, ils étaient tristes comme des malades, comme des gens qui sont malades. Et j'ai dirigé, j'ai ouvert les yeux, j'ai chanté comme je n'ai jamais chanté, j'ai dirigé comme je n'ai jamais dirigé. J'ai chanté comme si j'avais les micros. Ok, nous, dans Nzambe Malam, il n'y avait pas de micros, il n'y avait pas d'instruments, mais ma voix chantait comme si j'avais les micros. J'ai ouvert les yeux. Après, il y avait deux pasteurs qui venaient dans notre église, parce qu'ils avaient l'habitude. Des pasteurs venaient prêcher dans notre église. Et des pasteurs là, après les quittes, est-ce que tu peux seulement confirmer que non, tu avais, comme il a dit, non, tu as l'appel pastoral. Tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai, parce que beaucoup de gens m'ont proposé d'être pasteur, même de former une église, m'ont dit, on va te soutenir, parce que c'est voilà. Pas les dieux. Il ne te connaît pas. Moi, j'ai refusé par rapport aux autres. Tu sais, je vois au certain. Ok. Donc, mais l'homme de Dieu a dit que non, tu as l'appel pastoral. Ouais. Mais on m'a consacré après, en 2009, ici en France, en Zaïmanam, comme diacre. Wow. En part, je suis tu as l'appel pastoral. Tu n'es pas diacre, tu as l'appel pastoral. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Vous avez compris, vous avez eu beaucoup de combats. Aujourd'hui, Dieu, il a voulu te donner la possession de ta vie. Yeah. Parce que notre thème aujourd'hui, c'était la possession. Récupérer sa possession. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui m'a dit aujourd'hui de venir. J'ai appelé Frère Mbouta à Nainvers. J'ai dit, Frère Mbouta, aujourd'hui, je vais venir. Parce que d'autres fois, j'ai prié. J'étais allé dans l'église de mon frère René. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, il faut que je vienne avec toi dans votre église aujourd'hui. C'est ma première fois de venir ici. Wow. Ok. Donc, c'est le petit frère. C'est le petit frère de René Lokwa Kanza. Donc, c'est leur. Moi, je suis le cadet de la famille. En réalité, je ne suis pas le cadet, je suis l'avant-dernier, mais je suis devenu le cadet parce que le cadet était mort. Donc, je suis comme un peu Joseph. Vous êtes le Joseph. Ah, j'aime ça. Ah, can you put your hand together for me? All right. All I'm asking you today. Ce que je vous demande aujourd'hui. Connect with the man of God. Connectez-vous avec l'homme de Dieu. Quand j'étais venu ici, le pasteur a commencé à parler par rapport aux négligences, aux choses de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et j'ai senti une compassion. Et Dieu m'a parlé que tout l'église ici. Dieu m'avait parlé. Avant même d'écouter la prophétie. Je n'ai pas pu chanter parce que j'avais la mertine. Tu sais que comme les pasteurs se plaignent, comme les gens négligent les choses de Dieu, ils ne prennent pas les choses de Dieu, ils prennent les choses de Dieu en négligence. Et Dieu ne va pas leur bénir. Si lui il fait tout, et Dieu va lui bénir parce que lui il fait tout. Et quand Dieu va lui bénir, les fidèles ils vont pas comprendre ça. Parce que Dieu bénit ce qui prend. Ils seront jaloux, ça ne sera pas mon problème. Moi je reçois tout. Paroles, amen, amen. Paroles, que Dieu soit le papa. On va causer, ok? C'est que, what I know today, all c'est, I know, c'est ton tout église ce que je sais aujourd'hui. God has visited you. Dieu t'a visité. Have you ever talk? Est-ce qu'on a, on s'est déjà parlé? Have you ever met someone? Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? You have my number? Est-ce, avez-vous mon numéro? But God has located you. Mais Dieu vous a localisé. So that means your life is going to fly. C'est-à-dire que votre vie va voler, va s'étendre. L'homme de Dieu. Yes, papa. Et puis, personne ne l'a invité. Hey. Et puis de deux, ah oui, tu m'as trouvé ici sur la chaire. Voilà. On n'a pas parlé. C'est ça. Et moi aussi, ça fait 20 ans, je ne l'ai plus vu. Wow. Voilà. Wow. Voilà. Wow. Vers l'année 2003-2004. Donc voilà. Hey. Vous comprenez? My God has done you well today. Mon Dieu t'a restauré aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can we now, can we do something else? Mama, how Est-ce are you? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, maman? How are you? Comment vous allez? You're fine? Very, very fine.
Vous allez bien? Okay, can I pray for you? Je peux prier pour vous. Because of time. À cause du temps. I see royalty. Je vois la royauté. But the royalty is so much attacked. Mais la royauté est très très attaquée. Do you know him? Do you know her? Vous la connaissez? You don't know her? Vous la connaissez? Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Ghost. Touch! In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive the touch of the Holy Ghost. Reçois la touche du Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Woo, my time. Okay, when she's 10, maybe I'll speak to her. Quand elle va s'élever, je vais parler avec elle. To God be the glory. Lift your hands. Levez votre main. Say with me. Dites avec moi. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I pray. Père, je prie. That all blessings. Que toutes les bénédictions. Favor. Faveur. That is in the spiritual realm. Qui est dans la dimension spirituelle. Let it manifest in my flesh realm. Que ça se manifeste dans ma chair. All blessings. Toutes les bénédictions. For my children. Pour mes enfants. For my life. Pour ma vie. Let it manifest. Que ça se manifeste. 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 Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Oh God. Oh Dieu. Hear my cry. Maintenant, écoute ma prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hear my cry. Écoute mes pleurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. My promotions. Ma promotion. My job. Mon travail. My business. Mes affaires. My marriage. Mon mariage. My houses. Mes maisons. My nations. Ma nation. Everything. Toutes choses. As a blessing. As a blessing. Bénédiction. Comme une bénédiction. Comme une bénédiction. Everything as a blessing. Toutes choses comme une bénédiction. In the spiritual realm. Dans les dimensions spirituelles. Let it catch flesh. Fais que ça. Que ça puisse revêtir la chair. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. Not tomorrow. Pas demain. Now. Maintenant. Not tomorrow. Pas demain. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Be it online, you are here, begin to pray. Même que vous soyez en ligne ou ici, commencez à prier. Demand it. 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 Shalabalabadabalabazi. Me palamateleamos sebrendaba. Mele broto kapala miapa, shali pala koto palianda, zende bela broto pala mande, zianta la brenda balaba, zete pere katora maze, marato kapala miapo la maze, le broto sanda balabria manda, zoto pala manda balabala barabara bazi, me para kasoto pere katamala bazi, labria masado sabrado sabrado, zende bere katora mama maze. Le proto sanda malabalabaze. Rende bo sanda malabalabaze. In Jesus' name. Thank you, Lord. I believe my time is here. Quickly. I'm calling as I point you. You just come quickly. Quand je vous appelle, vous venez rapidement. This man. Cet homme. I see the grace of God upon his life. Je vois la grâce de Dieu sur lui. But I see that grace being oppressed. I see the mindset being attacked. Je vois cette grâce être étouffée. Je vois ses pensées être attaquées. His mind. Oui, sa tête. Ouais. Ses pensées, sa mentalité. Which causes him to live an inward life. Ça le fait qu'il vit une vie de rétrograde. Fear. La peur. Fear. La peur. Fear. La peur. Of the tomorrow. Du futur. But I see the grace of God upon this man. Mais je vois la grâce de Dieu sur cet homme. Powerful. Puissamment. That God is going to use him in a certain age in his life. Mais que Dieu va l'utiliser à un certain âge dans sa vie. But that time is coming very fast. Mais ce temps-là arrive rapidement. But somehow, somewhere. D'une façon ou d'une autre. There are some forces of the enemy that has been blocking this man not to see the revelation of that which God has for him. Il y a des forces de l'ennemi qui empêchent cet homme de voir la révélation de ce que Dieu a prévu pour lui. But I stand here to declare today. Mais je me tiens ici pour déclarer that it shall come to pass. Que ceci va passer. What God has for you shall come to pass. Ce que Dieu a fait pour toi passera. Come here. Viens ici. Why are your parents? Pourquoi tu as peur? Where is your parents? Où sont tes parents? Oh, your mother is here. Oh, okay. Mama, Joanne. Mama, venez. So this is your son. C'est votre fils. Your selfies. Yeah. Do you believe that he has a great destiny?
Est-ce que vous croyez qu'il a une grande destinée? Toujours. Now, you have to soak yourself in prayer. Ah, vous devez vous mettre dans la prière. OK? Donc tu dois te mettre dans la prière. In prayer. En tout cas, mets-toi dans la prière. Dwell in the house of God. Demeure dans la maison Because de Dieu. What I see you carry, parce que ce que je vois tu portes. It has to be covered as Samuel in the house of God. Ah, ça doit être protégé quelque part dans la maison de Dieu. As Samuel. Ah, comme Samuel dans la maison de Dieu. You have to cover yourself in the presence of God. Tu dois te couvrir dans la présence de Dieu. Because it will come a time God shall open your eyes. Ah, parce qu'il y a un temps qui viendra où Dieu va ouvrir tes yeux. And you begin to see. Et tu vas commencer à voir. And you begin to understand the reality of the spiritual realm. Et tu vas comprendre la réalité de la dimension spirituelle. For the benefit of the things that God has to do for the family. Ah, pour les bénéfices de ce que Dieu va faire pour votre famille. Because there are things that God is going to mandate someone to arise really strong spiritually. Ah, parce qu'il y a des choses que Dieu va élever quelqu'un pour élever vraiment plus haut. Spiritually in the family. Spirituellement dans la famille. In order to break the curses and the situation in the family. Pour casser toutes les malédictions dans la famille. And I see that mandate has been given to your hands. Et je vois ce mandat été mis dans tes mains. But be strong in the presence of God. Alors sois fort dans la présence de Dieu. Be prayerful. Sois un homme de prière. And you will see what God has for you. Et tu verras ce que Dieu fera. Stand here, I'll pray for you. How are you? Je prierai pour toi. You have been serving with me, yeah. Ah, vous étiez en train de servir avec moi ici. How are you? Comment tu vas? Are you ready for your new season? Est-ce que vous êtes prêt pour votre nouvelle saison? Are you ready? Êtes-vous prête? Go one, two. Fais un, deux pas. I speak divine establishment over you. Ah, je parle l'établissement divin sur toi. Eh? Do you want to be established? Tu veux-tu être établi? Hein? Do you want to really to be established? Tu le veux vraiment être établi? You know the establishment I'm talking about, right? Tu connais l'établissement dont je parle. Hmm? Est-ce que tu connais? Any spirit of deceptions. Tout esprit de déception. That causes things to come and to go. Qui a causé les choses de venir et puis partir. And even something, even you look like you want to enter into the house, but somehow you are out of the house. Jusqu'au point où tu te vois entrer dans une maison, mais après tu es ressorti. The Lord is telling me to tell you. Le Seigneur me dit de te dire. As you serve God faithfully in this house. Tant que tu sers Dieu ici fidèlement. I see a man coming. Je vois un homme venir. That is going to walk with you. Qui va marcher avec toi. Are you happy for that? Êtes-vous content de ça? I see a man coming and walking with you. Je vois un homme venir te tenir et marcher avec and toi. I see rest coming in your heart. Et je vois un repos venir dans ta vie. Do you believe that? Et croyez-vous cela? Uh-huh. Stand here. Reste là. Shukuta yamaha. Fula biza brianda. Pahuske. Mama, how are you? Mama, comment vous allez? Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour vous? I stand here against any sickness in your body. Je combat tout esprit de maladie dans votre corps. Touch your stomach. Touchez votre ventre. Is it your first time to be here today? C'est votre première fois d'être ici? Oh. Oh, hey, this is your mama. C'est votre maman. What a God. Congratulations. Félicitations. Mama, I was doing service here and God spoke to me about you. Je faisais le service ici et Dieu m'avait parlé à propos de vous. And I spoke to your daughters. Et j'ai parlé à vos filles. Because I saw sickness in your body. Parce que j'ai vu la maladie dans votre corps. And the Lord said to me, we should pray for you that the sickness should come out. Et le Seigneur m'a dit, on doit prier pour vous pour que la maladie parte. And I asked your daughter to bring you here today. Et j'avais demandé à vos filles de vous amener ici. And here you are. Et vous voilà ici. And my God, et mon Dieu, who has spoken about you, qui m'a parlé de vous, he shall deliver you today. Il va vous délivrer aujourd'hui. Can I have the oil, please? Oil, yes. You might not be familiar with churches like this. Peut-être vous n'êtes pas habitué à des églises comme celle-ci. But everything is new in life. Mais chaque chose est toujours nouveau dans la vie. Okay. I have come here not by myself, but in the name of the Lord. Je suis venu ici pas par moi-même, mais dans le nom du Seigneur. Let any sickness in your body. Que toute maladie dans votre corps. Die today. Meurs aujourd'hui. Die today. Meurs aujourd'hui. Die today. Meurs aujourd'hui. Die today. Meurs aujourd'hui. Stretch your hand towards her. Levez, étendez vos mains sur elle. Thank you. Just pour some oil on me. Pray for her. Priez pour elle. That any sickness. Que toute maladie. In her body. Qui la dérange. In her body. Dans son corps. Dies. Puisse mourir. Dies. Meurt.
Pray for her. Pray for her. Priez pour elle. Priez pour elle. Shalabala katelebrese. Marakato lebriama santa malabriama. Zinta balabriama santa balabadabase. Que l'éternel Dieu te guérisse. Tous tes problèmes dans ton corps meurent. Toutes tes complications d'une maladie. Je commande que cela meure. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. J'impose les mains par la puissance du nom de Jésus. Je commande que la diabète meure. Pancréas meure. Au nom puissant de Jésus, sois guéri de ta tête à tes pieds. Sois restauré. Reçois la chair d'une guérison parfaite de la main de l'Éternel. Receive it. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maman, mon Dieu t'a guéri. Amen. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus. There is a testimony that I was praying in Kenya for a woman with diabetes. Il y a un témoignage, j'ai prié pour une femme avec le diabète au Kenya. In the church in Kenya. Au Kenya, dans mon église. And then I located the woman. The woman actually was in the toilet. J'avais localisé la dame. La dame était au fait dans les toilettes. And I said, there is a woman in the toilet. Et j'avais dit, il y a une femme dans les toilettes. Bring her here. Amenez-la ici. And it's there in the YouTube. Ça se trouve sur YouTube. And the woman came. Et la femme est venue. And I said, this is your problem. J'ai dit à la dame, c'est ça votre problème. And thank God. Et merci, gloire, merci Dieu. The machine was there. Il y avait la machine. The machine. Which machine? The machine to test. La machine était là pour tester. And I said, Mama. Et j'ai dit, Madame. Test right now. Testez maintenant. What is the number of the diabetes? Quel est le nombre de votre glycémie? And also after prayer. Et aussi après la prière. Let's test. On va tester. And she tested. Elle a testé. It was like 16. C'était autour de 16. 16 is high, right? 16, c'est au-dessus. Right? C'est beaucoup, hein? And I said, now watch out what God is going to do. Et je lui ai dit, regardons ce que Dieu va faire. And I pray for her. J'ai prié pour elle. Instantly. Instantanément. It's dropped to 10. C'est baissé jusqu'à 10. By the end of the service that day. Et jusqu'à la fin du service ce jour-là. It was lower than 10. Et c'était en dessous de 10. That's what God can do. That is what God can do. C'est ce que Dieu peut faire. That's what the God of all flesh can do. C'est ce que le Dieu de toute chair peut faire. And I speak over every sickness here. Et je parle sur toute maladie ici. If you are sick, si vous êtes malade, right now, maintenant, this is your moment. C'est votre moment. The healing is coming in your body. La guérison entre dans votre corps. Healing is coming in your body. La guérison entre dans votre corps. Right now, touch every part where maintenant, you are sick. Touchez toute partie qui est malade sur votre corps. We are trusting God right now for a prophetic healing. Nous croyons en Dieu qui a la guérison prophétique. Right now, there shall be a healing. Maintenant, il y aura la guérison. Touch that place by faith. Touchez cette partie par Let la foi. The sickness die by fire. Que la maladie meure par Let feu. Any sickness in your body. Que toute maladie dans votre corps. Any sickness in your body. Que toute maladie dans votre corps. Toute maladie dans votre corps. I speak healing. Je parle la guérison. I speak healing. Je prophétise la guérison. I speak healing. Je parle 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 la guérison. I decree and declare. Je décrète et je déclare. Let the sickness in your body. Que la maladie dans votre corps. Die by fire. 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 In the name of Jesus, I command cancer to die. Let the cancer die. Let the cancer die. I command diabetes to die. I command HIV to die. I command any form of sickness. Bone pain. Any form of pain in your body, receive the healing. Recevez la guérison. Receive your healing. Reçois ta 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 guérison. Receive your healing.
Reçois ta guérison. Receive your healing. Reçois ta guérison. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' precious name. Dans le nom de Jésus-Christ. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In Jesus' name. If you know that you have pain in your body, si vous savez que vous avez une douleur dans votre corps, let me just lift your hands. I'm going to lay hands on you quickly. Levez votre main. Je vais imposer ma main sur vous rapidement. Quickly, because of time, I'm leaving now. À cause du temps, parce que nous partons bientôt. Thank you, Jesus. Just lift your hands. Juste levez votre main. C'est votre mari? Okay. I speak healing. Je parle la guérison. I speak healing. Je parle la guérison. I speak healing. Je déclare la guérison. Oh, Dieu te visite. Receive the visitation of God. Reçois la visitation. Receive the touch of God. Reçois la visitation. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Touch. Touche. Thank you, Jesus. Merci. Oh, Holy Ghost, thank you. Merci, thank you. Saint-Esprit. Thank you, Holy Ghost. Merci, thank you, Holy Ghost. Touch. Touche. The love of God is on you. L'amour de Dieu est sur vous. Receive the touch of God. Reçois la touche. Touch in the name of Jesus. Touche au nom de Jésus. That's the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. C'est la puissance du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I speak divine healing right now. Je déclare la guérison divine maintenant. Receive peace in the name of Jesus. Reçois la paix au nom de Jésus. Hey. Be healed in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Heal. Guéri. Heal. Guéri. In the mighty name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Touch. Holy Ghost. Saint-Esprit. Touch. Be released. Sois libéré. 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 Oh my God, there's power falling in this place. Ah, il y a la puissance dans cet endroit. There is power in this place. Il y a la puissance dans cet endroit. My goodness, there is power in this place. Il y a la puissance dans cet endroit. There is power in this place. Il y a la puissance dans cet endroit. Papa bless, God is going to elevate your son. Papa bless, Dieu va élever ton fils. Big. Très grand. Very big. Très grand. God is going to bless him in business. Dieu va le bénir dans les affaires. God is going to elevate you. Dieu va le visiter. But I don't know. Mais je sais pas. I know you testify about car. Je sais que vous avez témoigné pour la voiture. Yeah. But I see God is going to take you to the business of cars. Mais je vois Dieu va t'amener dans les affaires des voitures. If you have never think about that, think about that. I saw you even exporting car in Africa. Ah, si tu n'as jamais pensé à ça, commence à y réfléchir. Je te vois en train d'exporter des voitures en Afrique. So think about, because I see another connection with UK that God is going to open for him. Ah, parce que pense à ça, parce que je vois une connexion avec toi avec l'Angleterre, parce que Dieu va te connecter là-bas. Whereby I see you are going to do a lot of transactions. Où je vois tu vas faire beaucoup de transactions. Et la voiture que j'ai achetée, le volant il est à droite. Ah. Oh. My goodness. God is here. Dieu est ici. God is here. Dieu est ici. God is here. Dieu est ici. I decree and declare. Je décrète et déclare that you enter in that place. Que tu entres dans cet endroit. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. But I see a celebration. Mais je vois une célébration. Vous êtes ensemble? I see a celebration. Je vois une célébration. I think like it's a celebration of a wedding establishment. Je vois comme une célébration de mariage. C'est vrai ça. Vous êtes ensemble. I see it in 2023. Je vois ça en 2023. Hallelujah. Hallelujah. Are you trusting God? Donne-le le micro. You have a child? Where is the child? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Oui, papa. Oui, papa. Il faut confirmer la prophétie quand même. Oh, merci vous beaucoup. Vous êtes où? Merci beaucoup, papa. Ok. Je confirme la prophétie. Wow. C'est prévu pour début 2023. Hey. Il avait peur. Il a peur parce que il y a un souci avec son travail et il a peur de perdre son boulot. Mais tu ne vas pas le perdre. Si tu perds ce boulot, ça sera pour que tu commences des grandes choses. Alléluia. Tu as compris? Wow. Voilà. Je voulais que, quand on vous donne la prophétie, il faut confirmer. Merci. Les gens ici ont l'habitude de ne pas confirmer. Oui, tu vois quelqu'un qui a fait 7 ans de stérilité, Dieu lui donne le bébé, il garde ça, il dit ça à sa meilleure copine. Wow. Non, je voulais d'abord... Après, quand on commence à le menacer par le sorcier, il t'appelle. Il faut confirmer toujours la prophétie. Amen. C'est un témoignage. Les témoignages appellent d'autres témoignages. Amen.
Comme je vous disais, le véhicule que j'ai acheté, le volant, il est à droite. Wow. Donc, merci. Comme il m'expliquait que c'était pour les affaires en Angleterre, il voyait que j'allais faire un business de véhicule, j'allais commencer à exporter en Angleterre. Donc, nous, je suis tombé sur un véhicule, le volant, il est à droite. Amen. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que c'est une prophétie? Je conduis à droite alors qu'on est en France, quoi. Donc, voilà. Allez, Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. C'est votre enfant? Que Dieu t'utilise, enfant. Ouf! Je combats la maladie. La maladie. Chest. La poitrine. Chest. La poitrine. I see an attack over his chest. Je vois une attaque à sa poitrine. But I speak healing. Mais je déclare la guérison. Child, you shall live and not die. Fils, tu vas vivre une vie, une longue vie. You shall not die. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Receive healing. Reçois la guérison. Peace in your heart. La paix dans ton cœur. Be released. Sois libéré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Be healed. Sois guéri. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Live a long life. Et une vie longue, une longue vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. God shall give you another child. Dieu va vous donner notre enfant. In the name of Jesus, I speak healing over you. Je déclare la guérison. Receive healing. Reçois la guérison. Oh, dear Lord. Any yoke of suffering in your life is broken. Tout problème de souffrance dans votre vie est brisé. Be delivered. Sois délivré. Be delivered. Sois délivré. Be delivered. Sois délivré. In Jesus' name. You shall see your prophets. Prophet, because I see this woman crying a lot. Vous allez voir votre prophète. Prophète, je vois cette femme pleurer beaucoup. She cries a lot. Elle pleure beaucoup. She's going through tough times. Elle est en train de traverser des moments difficiles. That's only herself she knows what she's going through. Elle est la seule qui sait par quoi elle traverse. And she has been demanding for prayer continually. Elle est en train de demander de la prière continuellement. But I pray for you today. Mais je prie pour toi aujourd'hui. By this covering, par cette couverture, you shall come out of any problems. Tu vas sortir de tout. The God that your father serves, le Dieu que ton père sert, he shall surely deliver you. Il va te délivrer. In the name of Jesus, amen. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Please allow me to do faster. S'il vous plaît, laissez-moi faire rapidement. I'm just laying hands on everyone. Je vais poser ma main sur tout le monde. As possible. Au nom de Jésus. Is this your husband? Est-ce votre mari? Any altar reclaiming you from Dieu, any... Dieu, oui, appelle-le devant. Okay, venez. Because I was laying hands here and then I've touched everyone here. Il y a des gens qui nous suivent Voilà. I pray for you in the name of Jesus. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Any complication in your body? Toute complication dans votre corps. Let it be broken. Que ça soit brisé. Any reclamations? Toute réclamation. I don't know about the side of West Africa. Je ne sais pas, mais je vois les côtés de West Africa. The reclamations. Afrique de l'Ouest. Les réclamations. West Africa. Afrique de l'Ouest. I don't know, but I'm just seeing there. Je ne sais pas, mais je vois ces mains là-bas. I see an altar that has been calling your name. Je vois un hôtel qui appelle ton nom. That is against your life. Qui est contre ta vie. Someone I don't know but is just hungry against you. Quelqu'un que je ne connais pas mais qui est en colère contre toi. For your destiny. Contre ta destinée. And that anger in itself it's like a force that has been fighting you continually. Et cette colère est une force qui t'a combattu toujours. But I decree and declare. Mais je décrète et je anyone déclare. That is against you in Africa. Quiconque est contre toi en Afrique. That has been speaking negative against your life. Qui ne fait que parler mal de toi. I decree and declare. Je décrète et déclare. May God spare you. Que Dieu t'épargne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Live in peace. Vis en paix. And when people are fighting against you. Et quand les gens te combattent. Don't reply it. Ne réponds pas. Because the moment you reply. Parce que le moment où tu réponds. You enter under their traps. Tu tombes dans leur piège. People are jealous of you. Les gens sont jaloux de because toi. Because there is a time I saw you are very successful. Parce qu'il y a un moment je vois tu es vraiment avec du succès. You were. Tu gagnes partout. Tu étais. Uh-huh. C'est vrai. Yeah. Il est ancien footballeur de Atlético Madrid. Personnel. Wow. Donc tout ce que tu dis là donc c'est vrai. Wow. Il avait du succès.
Il avait des succès. Ancien national aussi de Cameroun. Mais l'ennemi. Ouais. Cameroun. Il a gagné la Coupe d'Afrique. En 2002. En 2002. Oui. Moi, je ne te connais pas. Je suis innocent. Il est médaillé de l'Ordre de la Mérite. Médaillé même? Oui, de l'Ordre de la Mérite au Cameroun. Le diable, il est mauvais, très méchant. Vous qui jouez avec le diable, il n'est pas notre ami. Hein? Like he has a medal from the government. This is what she said. Yeah. Si le diable te dit bon appétit, ne mange plus. Commence directement le jeûne. Il te dit bonne nuit, ne dors plus. Amen. Hey. Someone has gone to touch juju, has done juju against his life. Ah, quelqu'un est allé toucher des trucs contre lui. Je confirme. Oui. Oh. Ouais. Avance. Je ne veux pas t'influencer. Merci, papa. Avance. J'aime ça quand le papa Blaise confirme. Moi, j'aime ça. Ça me donne la force de continuer. Je suis un prophète, je connais. Quand tu parles, il y a des gens, il est comme ça là. Yeah. Il veut même pas t'encourager. C'est comme si tu étais en train de dire des mensonges. Voilà. But I stand here before this God. Mais je me tiens ici devant ce Dieu. Your life. Ta vie. Anyone that has done that evil. Quiconque a fait ce truc, c'est bizarre. Shall die by fire. Va au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va mourir, hein? Au nom de Jésus. Il va mourir. Papa Blaise, I've done a service. J'avais fait un service avec l'épée, with the sword. Oui, avec l'épée. And I stood on Sunday. Et je m'étais tenu un dimanche. And I told the people. Et j'ai dit aux gens. If there is a witch, s'il y a un sorcier, in the church, dans l'église, or watching me online, ou en train de me regarder en ligne, watch how they are going to die. Regardez comment ils vont mourir. Monday, lundi, they are going to enter hospital. Ils vont aller à l'hôpital. And they'll enter ICU. Ils vont aller aussi dans la morgue. ICU. Urgence. Urgence. Oh. Okay. Urgence. Yeah, urgence. They shall enter ICU. Ils vont aller aux urgences. And then after that. Et après ça. They will dwell in ICU. Ils vont rester aux urgences. Until they die. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Someone was watching me online. Quelqu'un est en train de me regarder en ligne. With their mother. Avec sa mère. And they didn't know that it was going to hit them. Et ils ne savaient pas que ça allait les frapper. That week. Et cette semaine, people buried aunties, les gens ont enterré des tantes, uncles, des oncles, grandmothers, des grands-mères, in their families, dans leur famille. Il avait regardé. And then that woman, et cette femme, papa, she was calling herself a prophetess. Elle s'appelait elle-même prophétesse. But she was a witch. Mais c'était une sorcière. And she was fighting the church. Et elle était en train de combattre l'église. Monday, lundi, she was just walking like this. She elle était en train de marcher. Pendant que tu parlais, oui, papa. Il y a une personne, tu dois acheter une épée. Tu amènes ça pour l'église, on va faire ta délivrance. Alléluia. On va tuer les sorciers avec. Amen. N'achète pas une épée normale, achète une épée avec des dorés, donc voilà quoi. Hein? Ne prends pas les épées des francs-maçons. Mm-hmm. Évitez des signes là, après ils vont dire non. Oh, ce n'est pas moi qui l'achète, c'est toi qui l'achètes. Voilà. Maman Lara, achetez l'épée. Hein? Alléluia. On va couper. On va couper. Écoutez, maman, là. Il y a une alliance dans votre famille. Je vis ça hier. Cette alliance, non, je vis ça vendredi. Parce que tu n'étais pas là. Ils sont des enfants des anciens ministres Kasson. Oh. Donc voilà. Ambassadeurs. Donc ils sont là. Les deux. Ton prophète est en train de prophétiser. Viens. Passe devant. Viens. Écoutez, achetez l'épée. Je vais briser. Viens. Wow. Ça, c'est le futur ministre au Congo. Wow. Bravo, Seigneur. Vous avez la royauté dans la famille. Mais il y a une alliance satanique, diabolique, qui réclame le sang. Parce qu'il y avait le sang. Il y avait une alliance de sang. Il fallait continuer à arroser cet hôtel. Mais comme il n'y a personne qui a fait la suite... Donc, du coup, ça commence à réclamer votre bonheur, votre richesse. Donc, voilà. Alors, on doit couper cette alliance-là. Amener l'épée. Achète l'épée. Je ne sais pas là où. Il faut taper sur Internet. Amène-moi une épée.
je vais briser cette alliance. Je vis l'alliance. Mm-hmm. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, il avait fait l'alliance pour sa gloire. Parce que des fois, nous croyons que non. Parce que moi, j'ai reçu un papa de 63 ans, beau, bien habillé, très riche. Ses enfants, on l'a amené chez moi pour la prière. Il est de Congo-Brazzaville. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, il faut que tu parles avec tes enfants. Il me dira, je préfère mourir. Mes enfants, ils ne doivent pas apprendre que je suis dans les mystiques. Vous comprenez? Et quand ils sont partis, il est parti directement à l'hôpital et jusqu'au jour, il est resté dans les chaises roulantes. Parce que les parents sont toujours fiers de ce qu'ils font. Ils ne disent pas la vérité. Dire la vérité à ses enfants, que non, j'avais fait ceci, les parents ne disent pas. C'est ça. Il y a même, j'ai reçu même une maman ici. Elle a fait ses enfants avec un autre homme. Wow. Et ses enfants, ils souffrent. Alors, elle devait dire seulement la vérité à ses enfants, elle a refusé. Parce qu'elle voit sa fierté, sa dignité. Donc moi aussi, je ne peux pas dire à ses enfants la cause de leurs problèmes. Vous portez le nom d'innocent. Ce n'est pas votre papa. Vous comprenez? Mais je voyais la délivrance, je voyais couper ces liens-là, vendredi. C'est pour cela, quand on est malade, parce que vendredi, moi aussi, j'étais malade. Si vous avez les gestes spirituels, ceux qui étaient là, ils allaient comprendre. J'avais pas la voix. Vous comprenez? J'ai pris des ferverses, 8 ferverses dans la journée. Wow. C'est pas possible. Vous comprenez? On prend les ferverses chaque 4 heures. Mais je disais, je dois être debout pour la veiller. Et beaucoup de gens étaient attaqués. On était déjà avertis que les sorciers, ils avaient mis des militaires à côté ici pour empêcher. Presque, elle est là, presque. Elle travaillait aujourd'hui. Voilà, c'est elle qui avait vu la vision. Il y avait des militaires partout ici. Quand on voit les militaires dans les songes, ce sont des sorciers. Vous comprenez? Tu ne pouvais pas manquer, mais dommage, tu n'étais pas là. Ce n'est pas un problème. Donc Dieu a déjà parlé. Amen. On va briser cette alliance parce que toi, tu es notre millionnaire de l'Église. Alléluia. Notre ministre, il est là. Papa, il faut imposer les enfants dans les positions, dans les rangs, au niveau. Hein? Donc voilà, c'est comme ça que non, moi, je te positionne comme ministre au Congo. Amen. Amen. Voilà. Alors, amenez l'épée, on va briser cela. Je crois que le prophète sera encore ici. Donc, si vous amenez ça avant, parce qu'il va rentrer le 28. Donc, voilà. OK? On va faire les services. On va tuer l'alliance et puis on va tuer toutes les personnes qui sont derrière cette alliance-là. Papa Blaise, il y a aussi les gens qui crient aussi, moi aussi. Il faut seulement organiser un service de l'épée. OK. Voilà. On va organiser ça avec le prophète, hein, service d'épée. Ça sera, on va tuer. Nous serons des tueurs ce jour-là. Des tueurs de Goliath. On va organiser, ça sera une veillée. OK. Et ils n'aiment pas de veiller. OK. On viendra. OK, d'accord. Donc, les rendez-vous, c'est pour quand? On va organiser. Tu vois, c'est le 28. OK. On va. Non, il faut déjà que je regarde l'agenda. Comme ça, on va annoncer ça. OK. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. La parole. OK. Oh, il veut parler. Hein? Alors, vendredi, lors de la veillée, vous êtes passé à côté de moi et vous avez dit que vous voyiez un cercueil. Ma mère était décédée la veille. Oui, elle est décédée jeudi soir. Et j'étais là vendredi soir à la veillée. Et quand vous avez dit ça, j'ai pas osé réagir sur le coup parce que je suis encore sur le choc, mais je tenais à vous le dire aujourd'hui. Et on ne devait pas être ici aujourd'hui normalement, mais on a tout fait pour être là. Regardez ce que Dieu a fait en train de faire pour votre mari. Dieu te bénisse, papa. Dieu est avec nous, OK? L'homme de Dieu. Oui, papa. Celui qui est derrière, là, qu'on va, derrière ses problèmes, c'est son meilleur ami.
Là, ça explique pourquoi je dis à une personne. Et il est bien placé maintenant. Le meilleur ami qui est l'époux de ma grande sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? L'antichrist. L'esprit. Ne pleure pas, mon fils. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Ne pleure pas. Aujourd'hui, là, ça retourne à l'expérité. Okay. C'est prendre ta possession. Aujourd'hui, tu récupères ta possession. Voilà. Tes possessions. Vous imaginez, une personne est morte, mais ils sont là à l'église. Et Dieu les a visités. Amen. Si c'était toi, non, ma mère, elle est morte. Je dois rester à la maison. Le corps est en Afrique. Toi, tu restes à la maison. L'esprit de mort va te localiser à la maison. J'aime votre prophète. Il ne joue pas. Si je sers, je sers ce vrai Dieu. Que cette personne qui allait faire les joujoux sur ta vie, sur tes pieds, sur ta santé, sur ta mariage, sur tes finances, je leur donne des mois. Donne-moi l'huile. I give them. Merci. I give them 2 months. Je leur donne 2 mois. If they don't repent, s'ils ne se repentent pas, you shall bury them. Vous allez les enterrer. You shall know that I serve a true God. Vous allez savoir que je sers un vrai Dieu. Let the sword of the Almighty God. Que l'épée du Dieu puissant. Attack. Puisse attaquer. Anyone that has gone to see witch doctors. Quiconque est allé voir des marabouts. You have come in the presence of God. Toi, tu es venu dans la présence de Dieu. In this prophetic atmosphere, dans cette atmosphère prophétique, let the sword of the Lord attack them. Que l'épée de Dieu les attaque. I decree and declare. Je décrète et je déclare. May they die by fire. Qu'ils puissent mourir par le feu. Die by fire. Meurs 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 par le feu. Die by fire. Meurs. Die by fire. Meurs par le feu. Papa, tu sors. Le gouvernement va se souvenir de toi. There is a call that you are going to receive, that you are going to go to Africa. Il y a un appel que tu vas recevoir, tu vas retourner en Afrique. Can I ask you to remove your shoes, please? Est-ce que je peux vous demander d'enlever vos chaussures? This is a sign of wealth. Ça, c'est un signe de richesse. The Bible said to the son of Jacob, Hazael. La Bible a dit au sujet de l'enfant de Jacob, Hazael. That you shall soak your feet in oil. Que tu vas mettre tes pieds dans l'huile. Is a sign of wealth. C'est un signe de richesse. And God is restoring riches in the hands of this man. Et Dieu est en train de restaurer la richesse dans les mains de cet homme. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I decree and declare. Je décrète et je déclare. By the reason of this anointing oil. Mais la raison de cette onction d'huile. I decree and declare your feet. Je décrète et je déclare tes pieds. Whatever that has been spoken. Et tout ce qui a été parlé by the enemy, par l'ennemi, where they locked your destiny, là où ils ont bloqué ta destinée, by fire, par le feu, I decree and declare the chains are broken. Je décrète et je déclare les chaînes sont brisées. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Au nom de Jésus. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. I decree and declare. Je décrète et je déclare. By the unction of the Holy Ghost. Par l'onction du Saint-Esprit. Move to the place where God desires to be. Au nom de Jésus. Dans les endroits que Dieu veut que tu sois. Take possession of the territories. Prends possession des territoires. That God has for your life. Que Dieu a fait pour toi. Au nom de Jésus. And I decree and declare. Je décrète et je déclare. Anyone that is against your life. Quiconque est contre ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nom de Jésus. By fire. Ils vont mourir par le feu. They shall die by fire. Au nom de Jésus. Be free. Sois libre. 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 By the power of the name of Jesus. Par la puissance au nom de Jésus. And I pray for your wife. Je prie pour ta femme. Peace be in her. Que la paix soit avec elle. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Be restored. Sois restauré. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. And I declare no sickness shall come near you. Je déclare aucune maladie ne viendra sur vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. I rebuke this sickness. Au nom de Jésus. I speak life. Je parle la vie. And by the authority of the Holy Ghost. Par l'autorité du Saint-Esprit. In Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Receive life. Reçois la vie. In Jesus name. Au nom de Jésus. Papa, c'est fini. C'est fini. Tu témoigneras que tu as fait quelque chose.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail depuis. Et j'ai des amis qui ont des grands postes en Espagne, parce que c'est là-bas où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai un ami qui était directeur sportif de Barcelone, qui voulait me prendre. J'avais des sollicitations à l'Atlético où j'ai joué pendant 5 ans. J'ai eu des personnes qui voulaient que je vienne travailler avec eux, mais ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas. Je me posais toujours des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que ma famille, j'ai aidé mes frères et sœurs. Jusqu'à maintenant, même comme je n'ai pas le travail, ils me sollicitent et je fais le maximum que je peux. Donc, je ne sais pas. Ma maman est décédée. J'avais 3 ans. Elle est partie. Mon papa est décédé. Avec ma femme, qui fait beaucoup dans la famille actuellement, je remercie le bon Dieu qu'elle soit là avec moi. Je suis allé au Cameroun au deuil de mon papa. J'ai tout fait. Les 2 tombes de ma maman et de mon papa. Ne pleure pas. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu soit là. Oh, merci. On remercie Dieu. Papa, I announce to you. Je vous annonce. Next year. L'année prochaine. Count. Comptez. This man. Cet homme. Will be among the people who are doing well financially. Il sera parmi des gens qui se comportent bien financièrement. In this church. Dans cette église. He will be the great partners in this church. Il sera parmi les grands partenaires de cette église. To support the work of God. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. God bless you. Que Dieu te bénisse. Love the church. Aime l'église. Love God. Aime Dieu. And never depart from God. Et ne t'éloigne pas de Dieu. And God shall do you well. Et Dieu va te faire du bien. Okay? Remain together. Restez ensemble. Remain together. Restez ensemble. And let nothing. Et ne laissez rien. To break you together. Ne vous séparer. This woman. Cette femme. She's a blessing to you. Est une bénédiction pour vous. So walk together. Marchez ensemble. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 God bless you. Telling me the day of the service. Le prophète me dit le jour du service. Which day to do the service for the SWAT? Quel jour vous voulez qu'on fasse le service de l'épée? No, he's telling me which day. Il me dit quel jour pour faire le service de l'épée. So I have to check on my calendar as well. Je vais regarder sur mon calendrier. And see if I can also work together with him, amen. Pour voir si mon calendrier peut concorder avec le sien. Do you want that? Est-ce que vous aimez cela? No, that amen is not convincing. Cet amen là ne me convainc pas. Let the prophet feel it. Faites que le prophète puisse sentir ça. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. But before me to go. Mais avant que je ne parte. I want to ask everyone. J'aimerais demander à tout le monde. If you know that you have never accepted Jesus. Si vous savez que vous n'avez jamais accepté Jésus. Or you backslided. What? Backslided. Ou vous êtes rétrogradé. In your salvation. Dans votre salut. In your walk with God. Dans votre marche avec Dieu. This is the moment. C'est le moment. To give your life to Jesus. De donner votre vie à Jésus. Be it online. Que ce soit ceux qui sont en ligne. Be it you are here physically. Ou vous qui êtes ici présent. Jesus loves you. Jésus vous aime. But he hates sin. Mais he hates sin. Il déteste le péché. But he loves you. Mais il vous aime. He loves you. Il vous aime. That's why he brought us here. C'est pour ça qu'il vous a amené ici. So that you may be saved. Pour que vous puissiez le recevoir. Every eyes closed. Fermez vos yeux. Every eyes closed. Fermez les yeux. And I want you to lift your hands where you are. J'aimerais que vous puissiez lever votre main où vous êtes. If you want to do that prayer. Si vous voulez faire cette prière. If you want to pray with me. Si vous voulez prier avec moi. To restore your life in Christ. Que pour restaurer votre vie en Christ. And to accept Jesus in your life. Et d'accepter Jésus dans votre vie. Just lift your right hand if you are there. Levez votre main droite si vous êtes là. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you for your boldness. Merci pour votre dévouement. Courage. Courage. Thank you for your boldness.
Merci pour votre This courage. Is the kingdom of God. Ça, c'est le royaume de Dieu. This is what God loves. C'est ce que Dieu aime. That your name may be written in the book of life. Que votre nom soit écrit dans les livres de vie. Because you shall be remembered. Parce que vous serez rappelé. Not because of prophecy. Vous ne serez pas souvenu à cause des prophéties. But because of accepting Jesus. Mais parce que vous avez accepté Jésus. So lift your right hand. Alors levez votre main droite. And I'm going to pray for you. Et je vais prier pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If I may ask you, can you come in front and pray together with you? Si je peux vous demander, est-ce que vous pouvez venir ici devant, je prie avec vous. Don't fear, just come. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Venez. Clap, let's clap for them as they come. Applaudissons pour eux comme ils arrivent. God bless you. Come, my brother. Come, my brothers. Venez. Come, my brothers and sisters. Venez. Mes frères et sœurs. Come, let's Venez. Pray. Let's just stand here. Thank you very much. Tenez-vous par là. Merci. God bless you. God bless you. Bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Venez. Venez. Jésus vous aime. Merci, Seigneur. Jésus nous aime. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. You are going to repeat after me. Vous allez répéter après moi. Okay. The Bible says, for believing in their heart, they were justified. La Bible dit, pour avoir cru, ils ont été justifiés. And by confession. Et par la confession. They were saved. Ils étaient sauvés. So you have to confess. Vous devez confesser. With your mouth. Avec votre bouche. So that salvation may come. Pour que le salut entre en vous. You are going to say it loud. Vous allez dire à haute voix. Say, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jésus. I come before you. Je viens devant toi. Forgive my sins. Pardonne mes péchés. I believe today. Je crois aujourd'hui. That you came in flesh. Que tu es venu dans la chair. To die for my sins. Pour mourir pour mes péchés. Today. Aujourd'hui. I believe. Je crois. That you are the Lord. Que tu es le Seigneur. And the Savior. Et le Sauveur. Of my life. De ma vie. I declare. Je déclare. I believe. Je crois. That you died. Que tu es mort. And you rose from the dead. Et tu es ressuscité des morts. And you are seated at the right hand of the Father. Et tu te tiens à la droite du Père. And you are coming to pick me. Et tu reviendras me prendre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. As I believe. Comme je crois. My sins are forgiven. Mes péchés sont pardonnés. And I am cleansed. Et je suis lavé. In the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. For writing my name. D'avoir écrit mon nom. In the book of life. Dans les livres de vie. Remember me, O Lord. Souviens-toi de moi, Seigneur. And give me the strength. Et donne-moi la force. To walk the Christian life. De marcher la vie chrétienne. In the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va acclamer, Seigneur. Clame Jésus. Congratulations. Félicitations. Félicitations. Jésus. Ça, c'est votre église acclame à partir d'aujourd'hui. Jésus. Acclame Jésus. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime beaucoup. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est votre église à partir d'aujourd'hui. Si ce n'est pas, c'est votre église. Que Dieu vous bénisse. Le ciel est très content. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier pour vous, OK? Juste une minute, hein? Je sais que mon temps est là. Est-ce que vous pouvez juste étendre vos mains vers cet homme? Il y a les cancers qui l'attaquent. Les cancers qui l'attaquent. Il y a la preuve. L'année passée, quand j'étais ici, j'ai prié pour lui. Il est allé à l'hôpital. Le cancer est parti. On ne retrouve plus le cancer. Mais lorsque j'ai quitté, soudainement, après un certain temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a ramené le cancer. Et c'est venu encore très fort. Le pied était coupé à cause d'un incident qui s'est fait dans son travail. Le pied a été coupé. Mais aujourd'hui, il est là, il demande la miséricorde de Dieu. Et nous croyons que ce cancer va mourir. Il ne mourra point, mais il vivra. Je le décrète et je déclare aujourd'hui,
Papa Blaise, j'ai besoin de ton aide aussi à cette cas. Est-ce qu'il a élevé un hôtel? Oui, c'est côté. Élever l'hôtel. L'hôtel. Vous avez fait un sacrifice? Parce que votre vie est plus importante. Si vous perdez ce corps, vous êtes mort. Alors donc, il faut élever un hôtel pour ta santé. C'est comme ça que le cancer est revenu. Parce qu'il n'y avait pas un hôtel. Lorsque Dieu te visite, il faut élever l'hôtel là où Dieu te visite. Et on fait un sacrifice parce que les chrétiens sont des négligents. Comment tu peux négliger ta vie comme ça? Je suis allé en Angola avec un ami, prier pour un ministre, ancien ministre. Il avait huit parcelles. J'ai dit à cet ami-là, nous avons fait des services, pas quand nous avons fini. Ils ont pris $2,000, ils ont donné à l'homme de Dieu. J'ai dit à l'homme de Dieu, pour sauver l'âme de ce monsieur, il doit donner à l'église une parcelle, parmi ces parcelles. Oh non, c'est l'héritage des enfants, naninana. J'ai dit, tu risques de mourir. On est parti 2 semaines après, il est mort. Vous comprenez? Parce que des fois, on a la honte de dire la vérité. Parce que là où il y a un sacrifice qui te réclame, il faut aussi un sacrifice pour contrer ce sacrifice. Voilà. Donc, quand le cancer te menace comme ça, donc il faut savoir, le cancer, là, ce n'est pas Dieu. C'est une malédiction. C'est quelqu'un qui t'a envoyé ça, ou bien c'est la famille, ou bien il y a une réclamation dans la famille. Il y a un hôtel dans la famille. Il faut casser cet hôtel et puis élever un hôtel. Vous comprenez? Donc, on va faire la prière, mais il faut... C'est votre fils, non? Oui. On va faire la prière, mais il faut fortifier votre hôtel. Il faut élever un hôtel pour votre santé, pour la sécurité de votre vie. Vous comprenez? Vous faites un grand sacrifice. Amen, amen. Ok. Merci. Étendez vos mains. On va prier pour lui avec le prophète. Sa vie va changer aujourd'hui. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Déclarez la guérison. Déclarez la guérison. Reçois la vie. Déclarez la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Tu as dit tout ce que nous refuserons sur la terre, le ciel le refusera. Nous refusons maintenant. Nous refusons maintenant la mort. Il ne mourra pas par cette maladie. Car nous maudissons cette maladie au nom de Jésus. Toi, cancer, sors par le feu du Saint-Esprit. Je t'ordonne de lâcher ton emprise maintenant. Que la guérison prenne place maintenant dans son corps. Que la guérison entre dans son corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Amène-moi une bouteille d'eau. Reçois la vie. Rebacha kamarabo toto. Seigneur, nous bénissons cette bouteille d'eau. Fais descendre sur cette bouteille une onction particulière de miracles et de guérisons. Lorsque cette eau sera appliquée, qu'il y ait un grand témoignage par le sang de Jésus. Tu as dit, celui qui boira mon sang, il ne mourra pas. Il témoignera la grandeur. Seigneur, qu'il témoigne ta grandeur par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Bois le sang de Jésus maintenant. Et tu déclares, je ne mourrai pas, je témoignerai la grandeur de Dieu. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Bois de l'eau maintenant. C'est le sang de Jésus que tu es en train de boire. Amen. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Ce cancer est évacué hors de ton corps. Nous demandons le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Oui. Que les miracles soient constatés dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la guérison. Merci Seigneur Jésus. Ça, c'est la guérison. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Glory to God. Thank you. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse.
On va faire ça vite. J'avais, le vendredi, j'avais appelé. Le vendredi, j'avais appelé les gens qui avaient pris le pledge. Les enveloppes. Venez, je vais prier pour vous. Avec cela. Venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas les enveloppes aussi, vous sentez que vous voulez s'aimer. Le même aussi. Venez aussi prendre l'enveloppe dans mes mains. Venez prendre l'enveloppe. Le sacrifice est très important. Alléluia. Hey. Wedding. Mariage. Ah, wedding. Mariage. Ah, j'avais mis l'huile, donc je dois se mettre l'huile dans ça. Tu veux s'aimer aussi comme les autres ont fait le vendredi. Viens prendre l'enveloppe dans mes mains et Dieu vous bénira. Merci. Dieu vous bénisse, papa. Oh, yeah. Si vous, if you are fulfilling, put it, come on. Vous voulez s'aimer 530, 330, venez prendre l'enveloppe. Venez prendre l'enveloppe. Mettez ça sur l'autel ici. Mettez sur l'autel. Oui, mettez sur l'autel. Et puis tenez-vous ici. Mettez sur l'autel et tenez-vous ici. Non, mettez seulement ça. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hey, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Hein? Voilà, ça c'est bien. Ouais. Okay. Là, vous allez écouter avec le prophète. Il le sait. Ok, que Dieu bénisse. Il le saura. Ok. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je déclare et je décrète aujourd'hui que l'autel puisse parler à propos de vous. Et je déclare ce qui a été déclaré prophétiquement. Se fasse chair dans votre vie. Au nom de Recevez Jésus. Recevez cette grâce et la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de que Jésus. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu vous prospère et vous accorde plus que ce que vous avez demandé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ne sont pas acclamés pour le Seigneur. Vous êtes bénis et vous êtes couverts par la puissance du nom de Jésus. Votre vie ne sera plus jamais la même. Je déclare votre ministère est restauré et vous serez un témoignage. Marchez avec l'homme de Dieu et vous allez témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Faisons aussi un sacrifice à lui. Vous le ferez. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé le ministère? Je déclare la déclaration qui a été déclarée sur toi. Se fasse chair dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse et t'amène dans des hôtels, des grandes hôtels. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es béni aussi. Au nom de Jésus. Amen. Papa, merci beaucoup. Ça va prendre la vie, non? Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.